Bonjour à tous. Bonjour Boris Vallot, député socialiste des Landes, président du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Quelques mots pour vous indiquer que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer. Et tout de suite, on commence avec une question d'actualité avec Chantal Didier au sujet de l'énergie. Bonjour, Monsieur le Président. Elisabeth Borne a annoncé ce matin un chèque de 100 euros pour les Français qui avaient besoin de leur voiture pour aller travailler. Ça concernerait, selon elle, 10 millions de Français. Je suppose que vous pensez que ce n'est pas assez. Non, mais écoutez, moi, tout ce qui permet d'alléger la facture des Français et de préserver leur pouvoir d'achat, j'allais dire, je le prends et j'y souscris. La question plus structurelle qui se pose, c'est finalement, est-ce que l'on peut continuer avec une politique épisodique d'échec ou est-ce qu'il faut qu'on pose une question, j'allais dire, plus durable, qui est celle du partage de la richesse créée par les entreprises, du partage de la valeur ajoutée de notre économie et que nous nous posions la question de l'augmentation des salaires. Et si je le dis, ça n'est pas théorique, on a travaillé en particulier dans la dernière législature sur ce sujet-là avec Dominique Potier. En faisant le constat que depuis 2008, qui a été déjà une crise grave, le salaire des 10% de Français les plus élevés a augmenté 3 fois et demi plus vite que celui des 10% de Français les plus modestes. Nous avons vu, y compris dans la crise, la rémunération des dirigeants des plus grandes entreprises exploser là où finalement on voit qu'il y a une progression très modeste des basses rémunérations. Et j'ai la faiblesse de penser que plus de justice, c'est d'ailleurs une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Et donc voilà pourquoi nous plaidons, nous, pour un débat non seulement sur les salaires, mais pour une augmentation du salaire minimum et donc du SMIC, qui prenne en compte justement cette dynamique de partage de la richesse. Parce que derrière, évidemment, cette question des salaires, il y a aussi la question du financement de notre protection sociale. Ce ne sera pas sans doute étranger à d'autres discussions que nous pourrions avoir dans cette heure-là. Mais les primes et les chèques désocialisés, c'est-à-dire non contributifs, qui ne participent pas au financement de l'assurance chômage, qui ne participent pas au financement des retraites, eh bien, c'est d'une certaine manière donner aujourd'hui d'une main ce que l'on reprendra demain de l'autre. Donc, voilà pourquoi nous avons cette préférence. En attendant peut-être à des mesures plus structurelles, est-ce que passer d'une aide générale à la remise à la pompe à une aide plus ciblée, ça vous semblait en tout cas nécessaire ? Une aide pour les ménages les plus modestes, le ciblage sur les rouleurs les plus modestes. Et je suis le plus grand département de France qui a le taux d'équipement en véhicule individuel, les Landes, qui est le plus élevé. Je sais à quel point, pour aller à son travail, pour aller se faire soigner, pour accompagner parfois un proche à une visite, on a besoin de ça. Donc oui, tant mieux. Il fallait le faire. Mais je vous le dis, bah, écoutez, ayons une réflexion plus globale, plus juste, plus structurelle, plus durable. Est-ce que le danger n'est pas d'enclencher la spirale salaire-prix? Oui, mais je vois bien le fantasme. La réalité, c'est que ça n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a une sorte de spirale inversée. C'est-à-dire que les salaires augmentent moins que les prix. Et donc, ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat qui est comprimé. Et vous savez, pour beaucoup de Français, déjà en période normale, les fins de mois arrivent avant la fin du mois. Là, quand on a du mal à remplir son frigo le 15 du mois, quand on est obligé d'arbitrer entre se chauffer et se nourrir, quand on n'a que sa force de travail pour vivre, quand on a du travail et quand on arrive à en vivre, je vous dis, vous savez ce que sont les salaires, parce que là, je vous parle de gens qui travaillent à taux plein, mais vous avez des gens qui ont du temps partiel subi, qui sont en situation d'intérim. C'est difficile. Et donc, on a besoin, en réalité, d'augmenter les salaires. Donc, franchement, la boucle prix-salaire, pour l'instant, c'est un théorème d'économie. Ça n'est pas une réalité pratique sur le terrain. Sur l'énergie, toujours, hier, Emmanuel Macron, puis Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale ont en quelque sorte sifflé la fin de la récréation
concernant les éventuelles coupures d'électricité. Est-ce que selon vous, il était nécessaire sur ce sujet-là d'essayer de calmer un peu les esprits? Est-ce que vous avez des craintes, vous, quant à d'éventuelles coupures, ou est-ce que vous considérez que si à la fois les opérateurs et les Français peut-être font quelques efforts, on peut encore y échapper? Alors, moi, je ne reproche pas au gouvernement. J'ai compris qu'il fallait que je parle plus lentement pour ceux qui font le live tweet. Et ma mère pourrait me dire la même chose, donc je fais attention. Non, moi, je ne me désole pas que le gouvernement prépare l'hypothèse d'un hiver très rigoureux de pénurie d'électricité. Le reproche que l'on peut faire, c'est-à-dire le discours du président de la République il y a quelques semaines disant « il n'y aura pas de coupure » et l'hypothèse qui se fait jour qu'il pourrait y en avoir. Je remarque aussi que la circulaire au préfet est relativement récente, puisque je crois qu'elle est du 30 novembre. Les Allemands se posaient déjà la question au mois de septembre. Et que sans doute l'inquiétude, l'angoisse d'un certain nombre de Français, et qui appellent justement à être levée par le gouvernement, elle naît aussi de cette espèce de retard ou du coup de précipitation face à l'hiver qui pourrait se révéler froid. Bon, et puis c'est vrai, on entend un responsable d'Enedis qui dit bah non, les Français qui sont hospitalisés à domicile sous respirateur ne seront pas prioritaires. Je comprends que ça suscite quelques angoisses. Le gouvernement a évidemment démenti cela. Pour être très franc, je n'étais pas inquiet. C'était des discussions que nous avions eues pour ce qui me concerne avec la préfète des Landes et nous avions attiré l'attention de l'État sur ces situations-là. Il y a aussi la question des écoles. Je comprends que nous reproduisons d'une certaine manière un petit peu les errances du protocole sanitaire au moment de la Covid. Je ne suis pas sûr qu'on en ait tiré toutes les leçons et que là aussi, il y a un peu d'improvisation et que nous apprenons d'abord par la presse un certain nombre de choses qui devraient relever de la concertation avec les organisations syndicales, avec les professionnels de l'éducation, avec les collectivités locales. Et là aussi, quelques maires nous disent être prévenus à 17h de ce qui se passera le lendemain ne me permet pas forcément de bien réagir. Vous savez ce que c'est qu'une petite commune, hein, à 17h, il n'y a pas forcément la secrétaire de mairie, il y a le maire qui de toute façon est corvéable à merci, on vient taper à sa porte hein, chez lui s'il n'est pas à la mairie, donc il y a besoin de ça. Moi je ne sais pas si c'est si fait la fin de la récré, en tout cas c'est ramener de la clarté dans ce qui pourrait se passer, et je vois aussi les Françaises et les Français faire des efforts par nécessité, mais aussi par, j'allais dire, sens civique sur le réglage de leur chauffage, sur un certain nombre de leurs apparemment, pratiques. D'ailleurs, selon RTE, c'est pas vraiment les Français eux-mêmes qui font des efforts, ce sont les grandes industries et les bureaux et tout, mais la consommation individuelle reste à peu près la même. Donc, mais ça veut pas, ils seront peut-être obligés de faire œuvre citoyenne par nécessité. Oui, compte tenu de ce qu'est le prix de l'énergie, je crois qu'ils le font déjà par nécessité. Voilà. Toutes les questions d'énergie sont des questions qui se pensent à long terme. On est un peu étonné que tout d'un coup, on découvre qu'il y a des problèmes d'électricité, alors qu'en fait, les spécialistes savaient qu'il y avait déjà un risque de blackout avant la guerre en Ukraine. Dans quelle mesure assumez-vous une certaine responsabilité, vous, avec la décision de fermer Fessenheim? Alors, Fessenheim ne résolvait pas à soi seul l'intégralité certes, mais symboliquement, c'est quand même important. Mais je crois qu'en toute chose, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et puis au moment où il les exerce, les prenne pleinement. Vous savez, je vois souvent un gouvernement plus habile à rechercher la responsabilité des autres qu'à assumer la sienne. Ce que je constate, on a d'abord constaté avant la guerre en Ukraine qu'un certain nombre de réacteurs étaient à l'arrêt, qu'il y avait de la maintenance qui nous privait d'un certain nombre de nos capacités. Nous savions aussi depuis déjà un moment que la France était le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir tenu ses engagements au titre des accords de Paris de développement des énergies renouvelables. Nous savons parce que finalement les Français ont connu cet été, l'été le plus chaud et vont connaître cet hiver, l'hiver le plus cher, nous savons qu'il y a une urgence climatique qui est patente, une réalité qui est devenue une réalité sensible. Vous savez, je me souviens, il y a quelques années encore, où on parlait de ce qu'allaient connaître nos enfants. Mais c'est ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, qui est particulièrement préoccupant d'ores et déjà. Quand je dis que c'est une réalité sensible, je l'ai vu, moi, dans le sud-ouest, avec les incendies
c'est une réalité sensible que les gens ont vécue dans leur chair. Et donc cette urgence-là, elle commande à la fois une réaction rapide, et puis vous avez raison de dire que nous avons aussi une planification à organiser. Et de ce point de vue-là, on y reviendra peut-être, mais l'ordre dans lequel nous débattons de textes relatifs à l'énergie est plus que discutable. C'est-à-dire, vous auriez souhaité quoi, une loi de programmation? C'est-à-dire que je pense que la programmation pluriannuelle de l'énergie devrait être, d'une certaine manière, le premier des textes à débattre, puisqu'il donne ensuite de la visibilité sur ce dont nous aurons besoin en termes d'énergie renouvelable, ce dont éventuellement, puisque c'est le choix du gouvernement, nous aurons besoin en termes de grand carénage, de prolongation de la vie des centrales et peut-être de construction d'autres centrales. Il y a un certain nombre de consultations publiques qui sont en cours à la Commission nationale du débat public. J'aimerais en avoir les résultats avant que d'engager un débat, parce que c'est éclairant et qu'on a besoin de cela. Donc vous voyez, tout cela est décousu, puisque on a eu une sorte de plan qui n'était pas législatif, mais sur la sobriété. Il y a les énergies renouvelables en ce moment, il y aura le nucléaire plus tard, et puis la PPE, et peut-être même après les résultats de la CNDP. Vous voyez, c'est un truc un peu baroque. À propos du projet de loi énergie renouvelable, justement, vous l'évoquiez, qui est discuté en ce moment et la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, votre groupe est assez ouvert sur le sujet, prêt à le voter à condition que le gouvernement retienne un certain nombre de vos propositions. Vous avez des signes encourageants au vu des discussions en commission et du début des discussions dans l'hémicycle de ce point de vue-là? Je ne sais pas s'il faut dire que notre groupe est ouvert. Notre groupe est exigeant. On est exigeant parce que nous voyons une nécessité. Celle de développer rapidement, très rapidement, urgemment, les énergies renouvelables. C'est un impératif qui est un impératif bien compris, je crois, sur beaucoup des bancs de l'Assemblée. Je dis beaucoup parce qu'il y a encore quand même quelques climato-sceptiques patentés dans l'hémicycle. J'en dirai pas plus, chacun essaiera de recouvrer ce que cette déclaration signifie. Un débat exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, un débat exigeant vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis de sa majorité, que nous menons avec nos partenaires de gauche, avec les insoumis, avec les communistes, avec les écologistes, pour que nous arrivions, j'allais dire, à faire bouger le gouvernement. Souvenez-vous, le projet initial du gouvernement, ce qu'il était, franchement, extraordinairement insuffisant. J'ai presque envie de dire que, compte tenu des enjeux, il y avait un peu d'indigence. C'est un texte qui a été travaillé au Sénat d'abord, avec un certain nombre de bougées, d'avancées, avec planification territoriale qui a commencé à émerger au Sénat et que nous avons conforté ou que nous souhaitons conforter ici à l'Assemblée nationale. Eh bien, avec la même exigence, en se disant finalement, est-ce que nous arriverions à faire bouger les lignes pour que ce soit une loi dont nous n'ayons pas le sentiment dans 10 ans qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux. C'est ça que nous voulons porter. Alors, oui, dans une discussion âpre, difficile, exigeante, je dis avec un peu d'humour, parce que c'est après exigeant qu'on fasse payer un peu de 100 balles les billets de 100, mais c'était une façon de dire que le sujet est trop sérieux pour être souple. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de lignes qui demeure sur le partage de la valeur, sur la question du développement des énergies renouvelables en milieu agricole, parce qu'on pourra y revenir, mais il y a des enjeux sur le foncier agricole, le prix du foncier agricole, l'avenir du fermage, notre souveraineté alimentaire. Tous ces sujets-là doivent pouvoir être articulés. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a encore des efforts à accomplir. Oui, François Gervais, Horizon Politique, mais sur les énergies, il y a des différences manifestes au sein de la NUPES entre communistes qui veulent le nucléaire, les verts. Comment est-ce que vous avancez là-dessus? Mais vous avez raison de dire, et je crois que c'est un secret pour personne, c'était même dans l'accord qui a été signé, qu'il y a des désaccords. Moi, il y a une discipline que je me fixe comme président du groupe socialiste et que j'essaye de faire partager à mes collègues députés socialistes, c'est: posons-nous d'abord la question de savoir ce que nous en pensons, nous, avec un travail de fond, un travail exigeant, de mise à jour aussi d'un certain nombre de données.
pour pouvoir avancer. C'est ce que nous faisons sur les énergies renouvelables, ce qui ne nous interdit pas de faire jonction sur un certain nombre de sujets avec nos collègues. Nous avons compris que nos amis communistes défendaient le nucléaire. Nous, nous avons dit que c'était une énergie de transition. La question qui se pose maintenant, c'est, comme on dit en philo, c'est les conditions de possibilité de pour en faire une énergie de transition. Ce qui me permet, par exemple, de faire une toute petite extrapolation, parce qu'on n'en parle jamais, ce qui rend les choses possibles. 6 EPR, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une filière qui, dans les 10 prochaines années, va voir sur ses 300 000 salariés, travailleurs aujourd'hui, 100 000 partir à la retraite. Il va en falloir, je crois, 300 000 de plus. Il va falloir, pendant 10 ans, recruter dans cette filière 10% des ingénieurs qui sortiront des écoles. Je parle que de cette partie-là. Le président de la République a dit « je veux 50 champs d'éolien offshore ». Mais il va falloir, là aussi, des soudeurs, des ouvriers, tout un tas de corps de métier et d'ingénieurs. Donc dans les conditions de possibilité, si on doit aller vers ces énergies, y compris les énergies renouvelables, comment on met en mouvement, finalement très tôt, parce que pour former un ingénieur, pour former un ouvrier qualifié, il faut du temps, eh bien cette machine industrielle. Moi, je dis que si c'est bien fait, la transition climatique, ça peut être une odyssée heureuse. Que nous avons eu les hussards noirs à un moment où il fallait installer la République, nous avons besoin de hussards verts pour accomplir cette bifurcation environnementale qui va être rapide et énergique. Donc il y a tous ces sujets-là à poser, éclairés par le débat public, éclairés par la science, éclairés par la vérité et la réalité des situations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin des conclusions de la Commission nationale du débat public avant que de discuter de beaucoup d'autres choses. Et que j'ai un peu le sentiment parfois qu'on prend les choses à l'envers. On arrive au bout de la séquence budgétaire. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale... Ça ne m'a pas échappé. C'est à la fois expéditif et très long. Vous allez nous dire ça plus longuement. Donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté définitivement la semaine prochaine. Il y a peu de suspense sur l'issue à venir concernant le projet de loi de finances, même si il sera en nouvelle lecture à l'Assemblée demain et en lecture définitive la semaine prochaine. On sait que le budget, traditionnellement, la majorité le vote, les oppositions ne le votent pas. Est-ce que pour autant, sur le fond d'abord, vous considérez que sur ces deux budgets, État et Sécurité sociale, tout est acheté ou à jeter? Ah oui. Ou est-ce que néanmoins... Comme quoi les liaisons, c'est important. Voilà, c'est important. Ou est-ce que vous considérez néanmoins que, voilà, dans certains domaines, ces budgets font malgré tout œuvre utile, même si le curseur n'est peut-être pas placé suffisamment assez loin, notamment concernant l'hôpital, etc. Mais j'allais dire, c'est comme en toute chose. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à rejeter. Bon, c'est sans doute vrai de ce budget, mais je dois dire que l'examen qu'on a pu en faire, ou qu'on a eu à en faire, était pour le moins... elliptique, expéditif. Songez quand même qu'on n'a pas même examiné le premier budget de la nation qui est celui de l'éducation nationale. Pardon, mais du point de vue de ce que les Français peuvent se dire du travail fait ici, c'est quand même extrêmement dégradant pour la fonction parlementaire. C'est du même acabit s'agissant de la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a des différences qui sont des différences majeures, fondamentales, de philosophie entre ce que nous défendons à gauche et ce que le gouvernement promeut à droite. Si je prends par exemple, mais vous allez voir que les deux se consolident, si je prends la question, le questionnement central, c'est qui va payer le quoi qu'il en coûte? Qui va payer le quoi qu'il en coûte? Et il fallait soutenir notre économie, soutenir le pouvoir d'achat des Français. Nous, nous avons dit, écoutez, on a besoin de faire jouer la solidarité nationale, de faire plus participer à cette solidarité ceux qui le peuvent et qui, même dans la crise, se sont enrichis parfois de façon indue. C'était le débat autour des super-profits ou des surdividendes, d'ailleurs, qui est un débat qui venait du MoDem, c'est-à-dire d'une des trois composantes de la majorité. Nous avons posé la question des grandes fortunes, de la taxation des multinationales, qui n'est pas un sujet franco-français. Hein, on voit les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Américains se poser ce type de questions-là. Et nous, il y aurait une forme de tabou sur cette question-là. Eh bien, si vous ne faites pas participer mieux la solidarité nationale, qui la paye? Qui le paye, pardon, ce quoi qu'il en coûte? Eh bien, ce sont les classes populaires et les classes moyennes. C'est-à-dire que ceux que nous avons applaudis à 20h, dont nous avons dit qu'ils avaient tenu le pays debout, ce qui est vrai, qui venaient des métiers de l'agroalimentaire, qui venaient des métiers...
de la grande distribution. C'était les caissières, c'était les éboueurs, c'était les agriculteurs aussi, les salariés agricoles, les saisonniers, tout cela. On va leur dire, bah, écoutez, en fait, vous allez rire, c'est quand même vous qui allez passer à la caisse. Et comment vont-ils passer à la caisse? Ils y passent déjà, à travers un certain nombre des réformes que le gouvernement a votées ou entend faire voter. C'est la question de la réforme de l'assurance chômage, qui est d'abord une réforme destinée à faire des économies, sur laquelle on pourra revenir, parce que ça ne marche pas. Hein, l'idée de lier le niveau d'indemnité ou les conditions de l'indemnisation à la croissance, ça ne marche pas parce que vous avez des territoires où il faut 3% de croissance pour créer 1% d'emploi et des territoires où il faut 1% de croissance pour créer 3% d'emploi. Vous voyez bien que tout cela ne fonctionne pas. Ce sera la question de la réforme des retraites, ce sera peut-être demain la question de la réforme du RSA. Et donc on voit bien que, pareil, ce que le gouvernement prétend donner d'une main, il le reprendra d'une autre manière. Sur le dos de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Et nous avons fait le choix d'être du côté de cela. Voilà. Et moi, je le dis comme socialiste, nous sommes un parti qui doit se mettre au service des classes populaires, des classes moyennes, qui doit être du côté de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Parfois, ils n'ont pas de travail et parfois, ils n'arrivent pas à en vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà une première différence de philosophie qui me paraît majeure. Ensuite, si on vient sur le budget de la sécurité sociale, le gouvernement a toujours les bons mots qu'il faut. C'est le plus gros budget, la plus grosse croissance du budget de l'assurance maladie depuis toujours. Plus grosse augmentation du budget de l'hôpital. 3,7%, l'ONDAM, hein, c'est ce qu'on appelle le budget de la santé, 3,7%. Mais on le rappelle qu'il y a 4,2% d'inflation. Et que si nous posons la question en valeur réelle, de ce qu'est ce budget de l'hôpital, de ce qu'est ce budget de la sécurité, de la santé, il n'est pas en augmentation en valeur réelle. Il est en diminution de 0,6% en 2023. Alors que vous voyez quand même la situation dans laquelle est l'hôpital, alors quand vous dites, mais comment ils font des économies? Ben, vous réfléchissez, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va demander une charge de travail supplémentaire aux soignants qui déjà n'en peuvent plus? Ça veut dire qu'on va contenir, et d'ailleurs ça c'est inscrit dans le projet de budget, l'augmentation des salaires des soignants, c'est-à-dire que ce qu'on leur a donné dans le Ségur, on va le récupérer par l'inflation. Regardez, ce sont dans les annexes au PLFSS, je pourrais vous donner les références, c'est pas un fantasme, j'ai le défaut de lire, y compris les annexes du PLFSS. Voilà la réalité. Ça veut dire quoi? Qu'on transmettra, on transférera une partie de la dépense qui est aujourd'hui assurée, financée par l'assurance maladie, au complémentaire. Oui, c'est écrit, là aussi, dans le budget de la sécurité sociale. Donc il y a une différence de philosophie, des désaccords dans lesquels on aurait aimé, dont on aurait aimé parler. Bon, ben voilà, vous avez vu ce qu'était le débat parlementaire, c'est la démocratie expéditive. Est-ce que vous considérez de ce point de vue-là, sur la façon dont le débat s'est déroulé ou pas, justement, que c'est uniquement de la faute du gouvernement ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une forme de tort partagé dans la crispation qu'il y a eu d'emblée de la part de certains groupes indiquant que de toute façon ils ne voteraient pas ces budgets, cherchant à mettre le gouvernement devant le fait accompli qu'il n'avait pas de majorité absolue à l'Assemblée? Moi, si vous me permettez, la question est très bonne, hein, mais je ne la poserai pas tout à fait en ces termes. Je dirais qu'il y a une nouvelle donne politique et institutionnelle issue des urnes. Il n'y a pas de majorité absolue, il y a ce que moi j'ai appelé un parlementarisme de fait, dont on pouvait déduire l'hypothèse qu'il donnait au Parlement et à l'Assemblée nationale singulièrement une centralité nouvelle. Que pour la première fois, cette centralité, ce travail parlementaire, et moi je suis très parlementariste, que nous appelions de nos voeux, allait trouver de facto une réalité. Quelques mois après avoir démarré, je fais plutôt le constat que nous continuons les uns et les autres à regarder la situation comme un objet institutionnel non identifié, que nous n'avons pas trouvé la méthode. Je dis par exemple au gouvernement qu'il faut faire des compromis. Je dis le compromis c'est d'abord une méthode avant d'être éventuellement un résultat. Les socialistes ont fait un grand nombre d'auditions de constitutionnalistes, de spécialistes de droit parlementaire pour se poser la question de savoir à droit constant comment nous pouvions faire évoluer nos pratiques.
on n'a pas cherché la complexité d'une réforme du règlement intérieur, encore moins des lois organiques et de la Constitution. J'ai fait 6 pages de propositions à la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, pour l'instant, la seule réunion que nous avons eue, c'était comment on organise le travail parlementaire et on récupère des heures de sommeil. Franchement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on articule mieux, par exemple, la fonction d'évaluation et de contrôle du Parlement avec sa fonction législative. Nous sommes un des parlements qui, finalement, légifère le plus et évalue le moins. C'est un peu l'inverse dans d'autres parlements. Alors, le Parlement britannique est particulier parce qu'ils ont un droit prétorien, mais ils évaluent beaucoup. Réarticuler ce continuum pour se dire on arrête de voter une loi qui chasse une autre loi qui n'a pas été évaluée. C'est le cas de l'assurance chômage, par exemple. Dire nous ne faisons pas, nous arrêtons de faire des lois éphémères pour construire des lois dont nous avons été capables dans la République, que j'appelle moi des lois éternelles. Et les socialistes sont bien placés pour savoir que dans l'histoire, sous la 3e, sous la 4e République, ils ont été minoritaires à l'Assemblée sans jamais renoncer à faire avancer leur cause. Quand je parle de loi immortelle, évidemment la plus emblématique d'entre toutes, et je le dis parce qu'il y a en ce moment dans l'hémicycle, avec des lycéens, la reconstitution des débats parlementaires sur la loi de 1905. Je dis, ça a été une loi immortelle parce qu'il y a eu 3 ans de travail en commission spéciale et ensuite 1 an et demi de débat dans les deux chambres. Et le point de départ, j'allais dire, de la discussion était très éloigné. Donc nous avons, nous, à nous poser la question de savoir comment nous fonctionnons, comment on réarticule cela, quelle place nous laissons aux oppositions, aux rapporteurs d'application, aux rapporteurs spéciaux, au découpage des textes entre plusieurs rapporteurs, dont certains pourraient être confiés à l'opposition. Toutes ces questions-là, en réalité, n'ont pas été répondues. Et le gouvernement lui-même se refuse à les poser, puisque la seule question qu'il pose aux parlementaires, c'est à quel compromis êtes-vous prêts ? Mais la question, j'allais dire d'une certaine manière, en retour, l'aurait d'abord posée à eux. À quel compromis êtes-vous prêts ? Quand j'entends ce que sont les projets du gouvernement, pour beaucoup d'entre eux, ils sont prêts à aucun compromis. Parce que le président de la République pense qu'il a été élu au premier tour. Ce qui, sauf si ça m'a échappé, n'est pas le cas. Donc il y a un travail qui est stimulant intellectuellement, mais si on ne l'accomplit pas, si on ne le fait pas, je pense que les Français seront déçus et peut-être nous en tiendrons rigueur. Mais voilà, ce travail-là, il est d'abord entre les mains de la majorité relative, de la présidente de l'Assemblée nationale et de l'exécutif. Je dis parfois, finalement, on a aujourd'hui le cerveau de la 4e République dans le corps de la 5e. Donc c'est un peu dysfonctionnel parfois. Vous dites que la situation est inédite. En quoi est-elle différente de la période vécue par la gauche entre 1988 et 1995? D'abord parce qu'elle est, encore plus relative. Je le crois. Ensuite, parce que dans le discours du président de la République et dans le choix stratégique qu'il a fait de confusion de la droite et de la gauche, finalement, il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. Moi, je crois pour la qualité du débat, à la nécessité que chacun vienne avec ce qu'il est. Mais on ne sait pas bien ce qu'ils sont. Si, on a fini par comprendre ce qu'était cette majorité. Enfin, vous connaissez la formule, hein, les idées ni de gauche ni de droite sont en général de droite. Et je constate que ça se vérifie assez bien. Ouais, mais côté 49-3, par exemple, c'est... Oui, mais vous savez le problème, la difficulté ne viendra pas du 49-3. 49-3, j'allais dire là, c'est pas trop compliqué. Ils l'ont. Mais enfin, ensuite, dans une session ordinaire, ce sera un pistolet à un coup. Ce sera un pistolet à un coup. Et là, on verra. C'est paradoxal parce qu'effectivement, on voit une assemblée qui est parfois éruptive, dans laquelle il y a parfois du blocage et néanmoins des textes qui sont votés. Alors, ne parlons plus des textes budgétaires avec le 49-3, mais vous évoquiez tout à l'heure l'assurance chômage, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, votée avec le renfort plutôt de la droite, peut-être les énergies renouvelables qui seront votées avec le renfort d'une partie de la gauche. Vous avez l'impression que le gouvernement, finalement, se contente d'avancer comme ça un peu qu'à un cas, avec une assemblée qui légifère néanmoins, et donc un travail qui se fait, mais de façon, selon vous, pas satisfaisante. On est au milieu du gué. Moi, ça me paraît pas satisfaisant. Alors, on a eu cette discussion, notamment avec la Première ministre. Moi, je lui ai fait valoir que je n'avais pas été élu, pas plus que mes collègues socialistes et sur les bancs de la gauche, pour faire la majorité du président Macron. On avait une candidate face à lui. On en a contesté le projet, le programme.
il a quand même ressorti tous les rossignols de Nicolas Sarkozy. Bon, ben on n'a pas voté pour un troisième mandat Sarkozy. Voilà. Donc on n'avait pas de raison de faire cette majorité-là. En revanche, compte tenu de ce que je viens de dire, sa majorité est peut-être à droite sur un certain nombre de ses textes et sur l'essentiel d'ailleurs de ce qu'est sa ligne, de ce qu'est sa ligne politique. Nous l'avons vérifié dans l'été. Nous l'avons vérifié sur un certain nombre de textes, d'ailleurs, obligeant le gouvernement à des concessions beaucoup plus importantes que ce qu'il entendait faire à la droite. Enfin, ce qui a été accepté par le gouvernement en CMP sur l'assurance chômage est tout à fait, j'allais dire, au-delà de ce que m'avait semblé voir défendre le ministre du SOPT dans l'hémicycle du Sénat. Mais sa majorité est là. Alors évidemment, là, il y a le congrès des LR, ce qui ne facilite pas la tâche. On verra après. Mais oui, je trouve que c'est insatisfaisant, parce qu'on ne peut pas se contenter, j'allais dire, d'un parlementarisme de couloir, de coup. Il faut quelque chose qui soit plus pensé, plus structurel et qui donne une direction au pays. Là, ça godille. Je ne sais pas si c'est le bon terme, vous voyez ce que je veux dire, parce que je fais le geste. La mécanique que vous décrivez, vous considérez que c'est ce qui se profile peut-être également sur d'autres réformes que vous évoquiez, la réforme des retraites, le projet de loi immigration? Disons que ça aurait sa logique à ce que la droite vote des lois de droite. J'entends aussi un certain nombre de députés ne pas entendre être les supplétifs du gouvernement. Donc, de quoi l'avenir sera fait, je pense que c'est le propre de l'avenir, c'est qu'il est incertain. Voilà. Sur le fond, concernant la réforme des retraites, on attend là dans les prochains jours, avant Noël, les conclusions des concertations qui seront faites par la Première ministre et le projet de loi à la rentrée. Est-ce que vous considérez, d'après les échanges que vous avez pu avoir avec Elisabeth Borne, qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre au-delà des grands principes qui ont été fixés, ou est-ce que sur le fond du texte, les jeux sont faits en quelque sorte? Bon, en fait, la réponse est un peu dans votre question quand même. Il y a un principe qui est structurant et qui est surdéterminant, c'est la retraite à 65 ans. Je veux dire, le point d'arrivée de cette prétendue concertation est à l'identique du point de départ. Et le président de la République, je crois, n'a pas fait mystère de son intention d'appliquer à toute force cette décision. Bon, non, je crois que cet élément principal, il n'est pas négociable et nous nous y opposerons à toute force, parce que ça n'est pas juste, et on peut rentrer dans le détail des choses. D'abord, quand le gouvernement nous dit, grosso modo, on est au bord du gouffre, il nous l'a dit au moment de la Covid, parce que nous nous attendions à un déficit qu'il faudrait absorber en 10 ans. Eh bien, en 2 ans, nous avons un régime qui est excédentaire de 900 millions d'euros. Ensuite, et pardon si c'est un peu technique, on me reproche peut-être de l'être trop, mais dans le Conseil d'orientation des retraites, il y a des hypothèses de déficit. Le gouvernement prend les plus défavorables, des hypothèses d'ailleurs plus défavorables que celles qu'il avait retenues il y a 4 ans. Ce qui montre qu'il ne croit pas à l'efficacité de ces réformes économiques pour accroître la productivité de notre économie. Il fournit des hypothèses dans lesquelles les fonctionnaires ne vont plus être augmentés. Évidemment, du coup, vous créez un déficit de cotisation. Il ne se pose pas la question de savoir comment on pourrait financer ce déficit si on prend acte du fait qu'il serait de 12 milliards, qu'on cherche 12 milliards. Il supprime la CVAE qui coûte 8 milliards. Il ne se pose pas la question de l'augmentation pour partie ou complètement des cotisations, 0,8%. Peut-être que les Français, cette question peut leur être posée. On peut fiscaliser un certain nombre de prestations qui sont non contributives, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'épargne salariale, qui ne l'est pas. Michael Zemmour, qui est économiste, a formulé un certain nombre d'hypothèses. Et puis, quand je dis que c'est injuste, c'est que vous avez un quart des plus pauvres qui sont morts à 62 ans. Ça veut dire quoi? Combien seront-ils à être déjà décédés parce qu'ils ont eu un métier pénible, parce qu'ils ont eu des vies difficiles, parce que leur santé, leur corps, leur santé mentale aussi, en ont pris un coup. Comment vous allez expliquer, alors qu'on n'arrive pas à les recruter? Je crois qu'il manque, même dans les Landes, plusieurs centaines d'agents pour faire des services d'aide à domicile. Comment on va leur expliquer, alors que c'est un métier difficile, que parfois un certain nombre de femmes, parce que ce sont beaucoup des femmes, vieillissent avec les gens dont elles s'occupent.
Comment on va leur dire, venez travailler, si on leur promet en réalité de partir plus tard à la retraite, alors qu'elles savent physiquement la dureté de leur métier. Il y a 7 ans de différence d'espérance de vie à la retraite entre un cadre et un ouvrier. Est-ce qu'il est juste de repousser tout ça alors qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on a d'autres hypothèses? Bon, le gouvernement, en réalité, je le dis, a fait le choix de faire payer, ce que je disais tout à l'heure, le quoi qu'il en coûte. Alors après, on nous dit, oui, mais regardez dans les autres pays. Bah, l'Italie consacre 16% de son PIB, nous 14, un peu plus de 14, aux retraites. Les Luxembourgeois, qui n'ont pas la réputation d'être des feignants patentés, partent plutôt que les Français. Bon, ben, y a des choix qui sont des choix politiques dont on peut débattre, mais là, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, je vois le Front syndical qui est à l'unisson sur ce sujet-là pour dire non à cette retraite à 65 ans. Vous êtes pour le retour... Ah, pardon. Oui, vas-y, Chantal, et puis on... Oui, bonjour, Rachel Gara de 20 minutes. Sur la retraite, vous allez vous opposer à toute force aux 65 ans. Est-ce que les socialistes sont prêts à défendre toujours ce qui était dans le programme de la NUP, c'est-à-dire retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation? Mais je pense que dans le moment qu'on est en train de vivre, vous posez pas mal les choses. Nous, on veut d'abord être au front sur la seule chose qui est aujourd'hui proposée aux Français, parce que vous avez remarqué, on n'est pas majoritaire, hein, on n'est pas pouvoir, on ne désespère pas de l'être. Mais la question qui est posée, et c'est la façon dont les organisations syndicales se posent la question, parce qu'il y a toutes les organisations syndicales, elles ne sont pas, et on l'a vu il y a quelques années, parfaitement alignées sur tous les sujets, elles disent qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on fasse front commun, sans se disperser, c'est celui-là. Et donc notre stratégie, elle est celle-là, et de ne parler à ce stade que de ça, non à cette retraite à 65 ans, parce que c'est injuste, que ça va faire des dégâts. Et puis vous savez, il faut tout regarder, tout regarder. Quand vous repoussez l'âge de la retraite, l'adresse regarde à qui il en coûte. Eh bien, il en coûte aux plus pauvres et les plus riches en sont bénéficiaires. Il faut regarder quels sont les effets de bord. Quand vous faites travailler les gens plus longtemps, il y a un déport sur les pensions d'invalidité, sur l'AAH, sur un certain nombre d'autres dispositifs, sur l'assurance chômage. Quand vous faites 1 euro d'économie, d'un côté, vous faites 0,33% de dépenses. Je sais, j'ai un trop technique, c'est ça. Enfin bref, ça va coûter 7,5 milliards au reste de la protection sociale. Tout ça. Et puis on ne sait pas. Ce matin, je me suis pris à citer Jean-Hervé Lorenzi, qui disait, mais en fait, il n'y a pas besoin de cette réforme si on augmente le taux d'emploi des seniors. Ben, explorons cette possibilité-là. Je regarde, par exemple, sur comment se vend-il la dépense de formation professionnelle continue par tranche d'âge. Eh bien, ceux qui, pour l'adaptation à leur poste, pour la gestion des transitions technologiques, des transitions numériques, de la transition environnementale, sont ceux qui proportionnellement bénéficient le moins de cette formation professionnelle, ce sont les seniors. Mais il faut mettre le paquet là. C'est l'inverse en Finlande, par exemple. Mais vous aurez peut-être à vous positionner sur des amendements de vos alliés. Sur des amendements de vos alliés qui réclameront la retraite à 60 ans. Mais écoutez, on verra. Je veux dire, moi, je ne veux pas me disperser parce que la question, elle est posée au gouvernement, là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois bien que c'est comme avec le 49-3, quoi. Le problème, ça devient la motion de censure et pas le 49-3. Ben non, le problème, là, c'est la retraite à 65 ans. Donc, ce matin, a redit retraite à 60 ans. Mais ce qu'il dit, et dans l'urgence, et ce que nous avons défendu continuellement, c'est que, enfin, je ne sais pas comment dire, il y a des gens qui meurent tôt parce qu'ils ont des carrières difficiles. Et donc, oui, cela. Enfin, si je vais très caricatural, je dirais que quand on a 5 ans d'espérance de vie en moins, on doit partir 5 ans plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire d'une certaine manière. Après, moi, je ne me résous pas à ce constat. Je pense qu'il faut travailler sur la question de la pénibilité. J'ai l'aspiration, est-ce qu'on est une société qui se fixe comme objectif la pleine santé pour tous? Que nous réduisions les différences d'espérance de vie par catégorie socio-professionnelle. L'aspiration à ce que le niveau de santé global de la population augmente. Et donc la question de la pleine santé au travail, elle est évidemment posée. Ça fait partie des combats qui sont des combats communs à toute la gauche. Voilà moi ce que je peux vous répondre. Mais j'ai répondu à votre collègue de 20 minutes. On a un front commun, notamment avec les organisations syndicales, et j'ai vu qu'il y a aussi des organisations de jeunesse, si je ne me trompe pas, pour avoir bien lu le communiqué. Parce que c'est ça quand même le projet de ce gouvernement que nous combattons. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi Touraine qui
Mais de la même manière, la question là, au moment où elle est posée, c'est qu'est-ce que veut faire le gouvernement et le président Macron ? Y revenir à toute force en disant c'est 65 ans. Et derrière, on sait que, et on a la deuxième lame, peut-être, qui s'appelle Édouard Philippe. C'est 67 ans. Donc, je dis, non, on a besoin de justice, on a besoin on a besoin de savoir aussi ce que vous feriez, non ? Eh bien, on a besoin de dire que nous défendons à toute force le refus de l'allongement du départ à la retraite, parce que ça n'est pas juste, et que ceux qui ont tout de suite, là, maintenant, sans attendre, on peut avoir un objectif qui est à 60 ans et poser la question aux Français. Mais tout de suite, eh bien, c'est les carrières longues, les carrières pénibles, et je peux vous dire qu'ils vont, pardon, mais morfler dans le projet du gouvernement. Et moi, je les vois, toutes les semaines, dans ma circonscription, je les vois, les ouvriers de l'agroalimentaire, je les vois les aides à domicile, je les vois les agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie, leurs conjointes, je les vois les ouvriers d'un certain nombre de filières qui aiment leur métier. Qui aiment leur métier, qui en sont fiers, et qui, je vous assure, on le sens du travail, mais on défend le travail de valeur. Voilà. Donc, notamment, qui n'abîme pas les corps, qui n'abîme pas les âmes. Bonjour, Monsieur Valot, Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Je me permettais une petite question, un petit retour sur ce qui s'est passé ce matin. Vous avez certainement vu comme moi que la France insoumise avait retiré son texte pour la réintégration des soignants non vaccinés. Alors déjà, peut-être une appréciation sur ce retrait in extremis dont on sent bien qu'il a été fait pour éviter le piège qui se refermait sur eux de la part du Rassemblement national. Et au-delà de ça, comment on gère justement cette ornière un peu particulière qui veut que si on ne s'associe pas au Rassemblement national, finalement, on peut être taxé de sectarisme et de ne pas servir l'intérêt général, et si on ne s'associe pas avec eux, finalement, si on s'associe avec eux, on est évidemment taxé de collusion avec l'extrême droite. Merci. C'est un peu la question du chimie biblique. Merci. Non, pour vous répondre plus sérieusement, bon, d'abord, il faut faire la genèse de ce qui s'est passé. Le Rassemblement national décide d'inscrire dans sa niche, sans demander à personne, la loi qui avait été défendue dans la niche insoumise de Caroline Fiat sur la réintégration des soignants. Ils ne demandent à personne. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Ils l'ont fait. Hier, ils voulaient que soit désigné un co-rapporteur du Rassemblement national. Il a été fait échec à cette demande. Hier, à la conférence des présidents, la présidente Panot, et j'ai appuyé, a dit « Cette loi, il ne faut pas qu'elle soit dans la niche du Front national, il faut qu'elle soit dans la semaine du Parlement. » Parce que, d'évidence, elle était pluraliste, ou en tout cas, elle intéressait sur plusieurs bancs. Ça a été refusé par la présidence de l'Assemblée. Ça a été retiré ce matin, et vous dites pour échapper à ce piège, parce que oui, ce sont des coucous, et qu'il faut s'en défier en toute circonstance. Ils le refont avec la loi votée au Sénat sur des mesures d'urgence en matière de violence conjugale, qui est une loi qui était portée par Valérie Létard, si je ne me trompe pas, qui sera inscrit pour le coup dans, non pas leur niche parlementaire, mais dans la semaine de l'Assemblée. Ils demandent d'être co-rapporteur. Moi, je dis, mais à quel titre que la famille politique de Valérie Létard, alors je ne sais pas qui est la famille politique de Valérie Létard à l'Assemblée, mais peut-être Liotte, d'après ce que j'ai compris, soit rapporteur, mais pas le Rassemblement national. Voilà, on n'a pas besoin de coucou. Donc ensuite, vous posez la question de la cohabitation avec l'extrême droite. Ben, écoutez, nous, on la tient pour ce qu'elle est, même si elle fait bonne figure. Et d'ailleurs, il y a des moments où il y a le surmoi qui ressurgit et il montre, il donne à voir ce qu'ils sont. C'est donc, plutôt le ça. Nous, la, pardon ? C'est plutôt le ça. Oui. nous sommes fixés une règle de conduite, c'est nous ne fraye pas avec l'extrême droite. Voilà. Donc nous ne votons pas leurs amendements, nous ne votons pas leurs résolutions, nous ne votons pas leurs motions, nous ne votons pas leur élection dans les instances comme les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils président des groupes d'amitié. D'ailleurs, certains pays concernés s'en sont émus, comme nous ne voulions pas qu'ils président le groupe d'études sur l'antisémitisme. Donc notre règle de conduite est celle-là. Ça a été retiré, c'était la bonne solution. Voilà, c'était la bonne solution. Ensuite, il y a la question de fond qui est posée, et qui n'est pas une question simple, qui est celle de la réintégration ou pas des soignants. Moi, le reproche que je fais à l'exécutif, au premier chef, c'est d'abord dans la niche parlementaire
de la France insoumise, mais ils l'ont refait avec la niche parlementaire des Républicains, c'est de devenir les agents de l'obstruction parlementaire. Et nous avons vu Braun, assez vite cornaqué d'ailleurs par son prédécesseur, Olivier Véran, prendre la parole pendant des temps, puisqu'ils ne sont pas décomptés, des temps infinis, pour atteindre la limite de minuit, pour que chacun puisse être tranquillisé. Enfin, chacun est tranquillisé, c'est évidemment pas la bonne formule. Mais que ça ne passe pas. Ils ont refait la même chose. Moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est que ce sujet est un vrai sujet, et dont je vois qu'il prend une dimension que j'avais sans aucun doute sous-estimée outre-mer. Voilà. Et j'ai vu des collègues ultramarins, de la Guadeloupe, de la Martinique, qui étaient à fleur de peau, qui étaient à cran sur ce sujet-là, qui avaient les larmes aux yeux. Je les ai vus vraiment en colère. Et le reproche que je fais au gouvernement, c'est de ne pas se saisir de cette question, de, au fond, détourner le regard, alors qu'il y a un vrai sujet. Moi, je n'ai pas la réponse définitive sur comment on fait. Je devrais d'ailleurs regarder, je le ferai peut-être, comment on fait les autres pays de l'Union européenne, puisqu'on me dit qu'à l'exception de la Grèce, tous ont réintégré les soignants. Comment l'ont-ils fait sur le plan sanitaire? Les ont-ils installés dans d'autres fonctions? Ont-ils fait une campagne de vaccination puisqu'il y avait la réticence sur le ARN et que maintenant il y a d'autres dispositifs? Je n'en sais rien. Mais le gouvernement devrait se saisir de cette question-là, monter un groupe de travail avec des autorités scientifiques, parce que moi je ne suis pas une autorité scientifique. Enfin, en tout cas, pas épidémiologue. Donc voilà, et là, bah, écoutez, le gouvernement laisse prospérer une situation où il y a un dispositif de suspension, mais dont on n'a pas le mode d'emploi pour savoir comment on en sort. Et ça crée des situations extrêmement compliquées, de tensions, des situations familiales aussi difficiles, où il y a des parents qui n'ont pas droit ni à assurance chômage, ni au RSA, parce qu'ils sont suspendus. Sont-ils encore fonctionnaires hospitaliers ou pas? Jusqu'à quand? Voilà, toutes ces questions-là, posons ces questions et ne laissons pas, j'allais dire... franchement... pour l'avoir observé de près, puisque j'étais dans l'hémicycle ce jeudi-là, c'était la chienlit, pour reprendre la formule de 68, hein, la chienlit, c'était le gouvernement, hein, dans sa façon d'être, et dans le fait qu'il ne se saisisse pas d'une question qui est sérieuse, qui est compliquée, je le mesure, qui nécessite de la concertation, du dialogue avec les organisations syndicales, avec la HAS, évidemment, sans doute, mais voilà. Mais là, bon, pour l'instant, il regarde ça... Voilà. Bonjour, Anne-Pascale Reboul de l'AFP. Pour poursuivre sur les niches, je crois que ce sera votre tour en février, ouais, après la niche à Rennes. Est-ce que vous y travaillez? Ça sera peut-être au moment de la mobilisation. Alors, pas sur du les tout, retraites. On verra ça la veille au soir. Non, plus sérieusement, nous devons déposer nos textes avant le 22 décembre. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Je veux dire, c'est comme à chaque fois, il y a beaucoup de candidats. Est-ce que leur texte soit discuté, et évidemment, nous devons penser notre niche de façon raisonnable, c'est-à-dire ne pas avoir une vingtaine de textes qui ne seront pas examinés, qui donneraient d'ailleurs aussi à nos administrateurs un travail qui est déjà dense pour eux. Et puis je crois qu'il faut aussi nous poser la question, compte tenu de ce qui est susceptible de devenir une niche parlementaire, c'est-à-dire avec... De l'obstruction, y compris du gouvernement, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut débattre, est-ce qu'il y a des lois qui peuvent passer et faire avancer l'intérêt général. Donc on est en train de travailler à tout ça. Et puis il y a la niche, il y a ce que nous souhaitons voir inscrit du travail que nous accomplissons avec d'autres dans la semaine de l'Assemblée. Et là, alors il y avait mon collègue Guillaume Garot qui faisait une conférence de presse en même temps. Bon, je vous remercie d'être là, plutôt qu'avec lui, mais plus sérieusement, qui veut que l'on inscrive le travail pluraliste qui a été fait sur les déserts médicaux, sur la régulation de l'installation au débat parlementaire, parce que chacun mesure que c'est une préoccupation extrêmement importante, en particulier dans les territoires ruraux. Vous savez, quand il faut 3 heures à Paris pour obtenir rendez-vous chez un ophtalmo, qu'il faut 3 mois dans nos territoires ruraux, évidemment, ça préoccupe. Et l'espérance de vie, je termine là-dessus, pardon, mais parce que pour vous dire à quel point c'est important et à quel point on va être utile dans nos propositions de la vie quotidienne des Français. Il y avait dans les années 90 3 mois de différence d'espérance de vie entre un hyper-urbain et un hyper-rural. Aujourd'hui, c'est 2 ans et 3 mois. Donc il y a une fracture qui s'élargit. Moi, j'ai des maires qui me disent la République ne place plus par chez nous. Donc que ce soit dans notre niche ou dans d'autres espaces de débat parlementaire,
des propositions utiles à la vie des Françaises, utiles à l'intérêt général et à l'intérêt national. Donc on a évidemment plein d'idées, mais comme les arbitrages n'ont pas eu lieu, je ne vais rien dévoiler là. Ça va faire une dépêche courte, du coup. Compte tenu de ce qu'on voit là sur les niches parlementaires depuis le début de la législature, c'était déjà un peu le cas sous la législature précédente, c'est-à-dire de plus en plus un piège pour le gouvernement et ces derniers temps aussi des chausse-trappes parfois pour les oppositions entre elles. Est-ce qu'il faut revoir un petit peu les règles concernant ces journées d'initiative parlementaire, ou est-ce que, comme vous sembliez le dire, il faut que chacun fasse un effort dans cette Assemblée qui, voilà, on le voit bien, est à la fois une chance parce que le débat peut y avoir lieu, mais une responsabilité avec un risque aussi de décevoir les Français si les débats tournent finalement de la façon dont on a pu le voir récemment. Comprenons-nous bien, quand je parle d'interroger nos méthodes de travail, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer à Canossa et dire au gouvernement on va vous aider à faire une politique que l'on combat. Pas du tout. Chacun vient dans un débat avec ce qu'il est, avec ses convictions. Si on arrive à avoir des accords, comme on en était capable parfois, tant mieux. Si on n'y arrive pas, au moins, on peut dire qu'on aura essayé. Moi, je crois que les niches parlementaires sont la parfaite synthèse de la situation actuelle et de cette majorité relative. Oui, le gouvernement peut être battu par une majorité plus nombreuse que la sienne. Voilà. Écoutez, c'est le jeu aussi de la démocratie. Est-ce que faut-il y voir un piège? Peut-être faut-il simplement y voir de la vitalité dans le débat démocratique, mais ce qui se passe dans les niches, la réflexion sur ce qu'elles doivent être, n'est pas distinct d'une réflexion plus globale sur ce parlementarisme de fait que j'évoquais au début de notre entretien. C'est compliqué, c'est un apprentissage qui est un apprentissage exigeant. Est-ce qu'on y arrivera? En tout cas, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de bonne volonté du côté du gouvernement. Voilà. Et parfois, le gouvernement semble faire, c'est ma formule fétiche, mais souvent, il fait semblant. Au-delà du gouvernement, est-ce que vous sentez, du côté de la présidence de l'Assemblée nationale, peut-être de la majorité aussi, un certain nombre d'initiatives transpartisanes, hein, vous le disiez tout à l'heure sur les déserts médicaux, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein même de l'Assemblée, il y a possibilité de créer un rapport de force peut-être différent avec l'exécutif et que c'est à l'Assemblée, au Parlement lui-même, de se saisir de cette nouvelle donne? J'aimerais vous répondre oui. Bon, ma réponse sera un peu plus nuancée. Je pense que la présidente de l'Assemblée pourrait faire plus et mieux, même si je conçois qu'elle a avancé sur un certain nombre de points. Je pensais à la semaine de l'Assemblée, mais s'agissant de la semaine de l'Assemblée, puisque les inscriptions de textes passent par le truchement des commissions qui sont toutes, à l'exception de la commission des finances, présidées par la majorité, je ne veux pas que ce soit d'une certaine manière une niche supplémentaire pour la majorité, mais que ce soit vraiment l'occasion d'un débat pluraliste et même de droits supplémentaires pour les oppositions. Donc je pense qu'elle peut faire plus. D'ailleurs, une partie de sa crédibilité comme présidente de l'Assemblée défendant son institution passera par sa capacité, peut-être finalement rétrospectivement aurait-elle dû le faire, et nous avec elle, à refuser des études d'impact qui ne donneraient pas aux parlementaires la juste vue sur ce qu'ils sont en train de débattre et potentiellement de voter. Quand je dis nous aurions dû le faire, c'est sur la loi réformant l'assurance chômage qui était dans l'étude d'impact, était quand même absolument indigente et qui aurait mérité, puisque c'est la possibilité qui nous est offerte au bureau de l'Assemblée, de dire non, revoyez votre copie. Donc voilà. Ensuite, la majorité. La majorité, elle est parfois victime de l'autoritarisme de l'exécutif. Quand je vois mon collègue Jean-Paul Mattei, qui est président du groupe Modem, formuler une proposition sur les surdividendes et se faire balayer de la même manière que les oppositions par le 49-3, je me dis que la culture du dialogue, ils doivent l'acquérir d'abord dans la majorité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'un des textes de la rentrée au-delà des retraites sera le projet de loi consacré à l'immigration. Est-ce que il vous semble utile et nécessaire de légiférer à nouveau sur ce sujet-là, ou est-ce que finalement l'état du droit actuel devrait suffire à mieux appliquer un certain nombre de procédures qui existent déjà? Vous avez raison en tout cas de poser cette question comme un préalable. Vous avez peut-être lu le rapport du sénateur Buffet, qui est président de la commission des lois au Sénat, qui est accablant du point de vue des dysfonctionnements dans son application du droit des étrangers. Ce sont des préfectures qui ne répondent plus. Une dématérialisation qui est totalement dysfonctionnelle.
c'est un tribunal administratif qui est engorgé et dont le contentieux revient parfois à faire obtenir au requérant un rendez-vous à la préfecture. Il y a des reconduites qui sont inopérantes, il y a des relations qui se sont grandement dégradées avec les pays d'origine qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Il y a un empilement de réglementations absolument démentielles. Et j'allais dire le symptôme de ça, c'est la prise presque compulsive, sans discernement, d'obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF. On le délivre quelle que soit la situation, sans jamais examiner à 360 degrés ce qu'est la situation de l'étranger qui se présente. Tu n'as pas le droit à tel titre de séjour, OQTF, quand bien même il pourrait avoir droit à un autre titre de séjour. Voilà pourquoi nous disons que les Français réclament d'abord, mais comme en toute chose, le respect de l'ordre républicain, mais que par sa façon de faire, par ses injonctions, par même la dernière circulaire du ministre de l'Intérieur, le gouvernement organise une forme de désordre dans la République. Remettez de l'ordre avant de nous poser la question de savoir s'il faut débattre d'une 29e loi en 40 ans. D'autant qu'un certain nombre de régularisations, y compris par le travail, sont possibles, avec la circulaire Valls, qui n'est pas réglementaire, mais enfin qui donne quelques possibilités. Et puis avec donc le pouvoir réglementaire, les moyens de l'État, l'organisation, les instructions, ça permet déjà beaucoup. Et puis ensuite, il y a des choses qui ne sont pas négociables et qui sont aujourd'hui abîmées par la situation. Le droit d'asile est un droit, c'est notre héritage et c'est notre honneur. Il faut le défendre à toute force. Et un certain nombre des projets du gouvernement ne seront pas de nature à le garantir. D'ailleurs, l'expression du ministre de l'Intérieur était assez symptomatique. Il a dit « pour ceux qui méritent le droit d'asile ». Mais on ne mérite pas le droit d'asile. On y a droit ou on n'y a pas droit. Mais ça ne relève pas du mérite. Si vous voyez ce que je veux dire. La question de la dignité de l'accueil non plus n'est pas négociable. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur, on va être méchant avec les méchants. Mais ça veut dire quoi? Il assimile ceux qui seraient sans droit ni titre à des délinquants. L'Union européenne a dit qu'il n'y avait pas de délit de séjour irrégulier. Donc voilà. Et puis après, il y a ce dont on peut éventuellement débattre. Mais vous savez, il y a toujours un en même temps qui est très déséquilibré. Hein, et y compris sur la partie régularisation par le travail, j'ai vu le ministre du Travail se tourner vers l'extrême droite en disant « Je vous rassure, il n'y aura pas de régularisation massive. » Bon, et il y a besoin c'est stupéfiant. Et puis que le ministre de l'Intérieur commence par citer Bainville, nationaliste, royaliste, et figure avec Maurras de l'Action française. Et pour la mémoire et pour l'histoire, au moment des funérailles de Bainville, le véhicule de Blum est pris dans le cortège et il se fait sortir, casser la figure par des membres de l'Action française et les camelots qui étaient censés ne plus être, je crois, proches d'eux. Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était juste pour faire un peu l'intéressant à la fin, quoi. Et vous pensez que c'est en fait parce qu'ils ne savaient pas qui était Bainville ? Je crains malheureusement qu'il ait parfaitement su qui il était, ce qui rend probablement plus coupable encore la référence qui était celle pendant la campagne, vous le savez aussi, de Zemmour. Thierry, la dernière question. Méchant avec les méchants, ça veut dire Thierry Curtet, France 2. Méchant avec les méchants, ça veut dire le retour de la double peine, avec une acception pour l'instant extrêmement dure. C'est celui qui est condamné pour une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans, qui serait susceptible d'être expulsé. Ce serait entre les mains du juge, d'après ce qu'on comprend. Est-ce que pour vous, c'est quelque part la reine des batailles, ça pourrait être la reine des batailles sur ce dossier? Ce que j'aime bien, c'est que Thierry Curtin, il est constant. Il m'a posé la question hier, j'ai dit, je ne peux pas répondre. Voilà. Et voilà, bon, c'est bien. Non, pour vous répondre, y a des choses qui relèvent un peu de l'enflure du ton et des effets de manche. En réalité, la possibilité d'expulser des gens qui ont été condamnés, y compris de toute urgence, je crois, c'est encore une possibilité. Et la réforme qui a été faite par Nicolas Sarkozy, elle consistait à prendre en considération un certain nombre de situations qui rendaient la possibilité de l'expulsion contraire à, notamment à la Convention européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est pour les mineurs qui sont arrivés avant 13 ans, et pour ceux qui ont des attaches familiales particulièrement denses. Pour le reste, en réalité, c'est déjà possible. Donc, bon, on voit bien, bon, voilà, c'est chacun... Et un peu. Hein, bon. Et la toute dernière question de Stanislas, qui passe une bonne partie de nos rencontres à pianoter sur Twitter. Stanislas, j'ai ralenti quand même le rythme, le débit.
dans une semaine, les LR auront un président, les écologistes auront un bureau national. Et puis ensuite, le gouvernement n'aura plus qu'un seul 49-3 au-delà des lois financières. Est-ce que vous, vous seriez prêt en cas de dissolution en janvier prochain? Est-ce que le PS sera prêt? Alors, repartir en campagne, vous avez compris que s'il y a la dissolution, je crois qu'on ne nous demandera pas tellement notre avis. Moi, je pourrais dire, attendez, ça ne m'arrange pas parce que c'est l'hiver, par exemple. Je pourrais dire, écoutez, moi, je suis frileux, je préfère faire ça au printemps, tout ça. Je pense qu'on ne nous demandera pas notre avis. Si ça doit se produire, je pense que ce sera d'abord un échec pour le président de la République, compte tenu de ce que j'ai dit, de ce que nous pourrions faire du débat démocratique et de cette vitalité démocratique que moi, j'appelle depuis 5 ans de mes voeux. Pour le reste, s'il doit y avoir campagne, on aura campagne. Je mettrai un damar. Oui, je mettrai un damar. Publicité. La France insoumise mise beaucoup sur une éventuelle dissolution. Ce n'est pas votre pari à vous à l'heure actuelle? Non, moi, je suis assez peu parieur d'une manière générale. Voilà. Bien, nous resterons sur ce dernier mot. Merci à tous. Merci à vous. Bon après-midi. Je vous rappelle que demain, nous avons une assemblée générale à 11h et que ceux qui pourront venir seront les bienvenus ici même.